réalise que la littérature, pour moi, en fait, c'est un véritable défi. C'est d'arriver à faire quelque chose de très créatif, mais surtout de très concis et précis. Donc, d'utiliser les bons mots, les bonnes expressions, les bonnes figures de style pour bien expliquer notre thème et le sujet en 140 caractères. C'est très court. J'ai réussi à le faire. J'en suis très fier. Donc, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Molly et je viens de Californie aux États-Unis. J'ai participé au concours parce que je voulais avoir le défi d'écrire la poésie courte sans utiliser ma langue maternelle. Je pense que le concours est si unique parce que ça combine la beauté de la poésie avec la concision de Twitter qui crée un message accessible mais profond. Bonjour, je m'appelle Jérôme Petit-Dumont, j'habite à Lévis au Québec. Et le français, c'est vraiment d'une grande importance pour moi, parce que ça me suit depuis ma naissance. En fait, c'est la langue que j'utilise à chaque jour pour exister un peu dans la tête des autres. C'est celle que je vais continuer de développer et de raffiner toute ma vie. Le concours, ça m'a vraiment motivé à jouer avec cette langue-là pour la rendre poétique et passer un message que le thème des Amériques m'inspirait. Je m'appelle Salomé et je suis argentine. J'ai décidé de participer à ce concours parce qu'il liait mes grands amours, la littérature, la langue française et mon beau continent américain. Il m'a permis de connaître des voix différentes au sein de la francophonie des Amériques, tout en me permettant de découvrir ma propre voix francophone. Bonjour, moi je m'appelle Véronique Boyer, je viens de Montréal. Donc pour moi, la littérature, c'est un peu comme lancer des perles dans un océan d'insignifiant. C'est jeter une bouteille à la mer sans savoir si quelqu'un va les voir, va les lire un jour. Donc quand j'ai entendu parler du concours de littérature des Amériques, j'ai vu un appel lancé à travers toutes les Amériques pour témoigner de notre amour de la langue française. J'ai décidé de joindre ma voix à celle des autres. Bonjour, je m'appelle Jacques Le Figaro. Je suis un Haïtien né à Port-au-Prince. J'ai participé au concours de littérature des Amériques, c'est par amour pour la langue et pour la poésie, et aussi parce que j'ai voulu contribuer dans l'expansion de la langue française à travers le monde. Pour moi, la littérature, c'est une nouvelle forme de poésie. C'est la poésie en 140 caractères. C'est apprendre à dire l'essentiel en peu de temps. Bonjour, je m'appelle Raphaël Michaud et je viens de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au Québec. Ce qui m'a attiré dans le concours de littérature, c'est d'abord l'exercice de style que je trouvais très intéressant. Et aussi l'occasion de voir d'autres visages de la francophonie. Parce que pour moi, ben, c'est ça le français. C'est une langue pleine de richesses, une identité qui nous réunit collectivement à travers toutes nos spécificités culturelles. J'ai beaucoup aimé ça participer, j'ai trouvé ça absolument génial comme concours. Le français pour moi c'est hyper important, mais c'est aussi une magnifique langue, donc c'est sûr que ça a été un grand plaisir d'y participer. Et finalement la twitterature pour moi c'est une tellement belle passion, là. J'adore Twitter, je trouve ça génial comme formule d'écrire des textes en 140 caractères. Le concours de littérature m'a donné l'occasion de découvrir un autre monde, un autre imaginaire dans les Amériques, à travers tous les autres participants qui ont pu publier leurs tweets. J'ai eu beaucoup de plaisir à les lire et merci aux membres du jury d'avoir fait choix de moi et merci aussi au Centre de la Francophonie des Amériques pour cette heureuse initiative.